Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine. Globalement, nous voulons que les 20 articles soient abordés. Mettre la France à l'arrêt, ce serait négliger la santé de nos enfants. Le gouvernement a choisi un modèle, un véhicule législatif qui amène à ce qu'il y ait un gong le 12 mars. Mettre la France à l'arrêt, ce serait rater le train du futur. J'ai un immense respect pour les sénateurs, ils ne représentent pas le peuple. Olivier Véran en plein délire à la veille du 7 mars, les sénateurs de droite qui font de la surenchère sur les retraites, l'impasse constitutionnelle à laquelle cette réforme pourrait conduire, et la NUPES qui essaie de recoller la vaisselle cassée. C'est le sommaire du numéro 31 du Bourbon de Serre. C'est du jamais vu. Bien sûr, à la veille du 7 mars, on s'attendait au sempiternel refrain sur les grévistes qui prennent en otage les Français. Mais le discours d'Olivier Véran, hier matin, à l'issue du Conseil des ministres, sur les conséquences apocalyptiques de la grève à venir, échappait à toute cohérence. Les Françaises et les Français souhaitent être protégés en temps de crise, que leurs enfants puissent aller à l'école et que leurs factures continuent de s'alléger. Aussi, mettre la France à l'arrêt, ce serait alourdir une facture déjà salée. Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine, dans quelques mois. Mettre la France à l'arrêt, ce serait négliger la santé de nos enfants. Mettre la France à l'arrêt, ce serait rater le train du futur. Alors que notre réseau ferroviaire est en train de vieillir à vitesse grand V, vous l'aurez compris, la France est tout sauf à l'arrêt en ce moment. Elle se modernise. Les semaines d'obstruction à l'Assemblée nationale ont autant fait perdre de temps qu'elles ont empêché au véritable débat d'exister. Le Sénat vient de voter le texte des retraites en commission et donne un contre-exemple parfait de ce qui est possible en démocratie. Une France au diapason des débats de l'Assemblée nationale, ce serait l'obstruction de tout au prix de rien. De deux choses l'une, soit Véran croit vraiment ce qu'il dit, et il faut en déduire que l'exécutif est dans un état de panique indescriptible. Soit il ne s'agit que d'un artifice de communication, et c'est alors la preuve que le pouvoir a une bien piètre opinion des Français. Car enfin, peut-il se trouver un citoyen sain d'esprit pour souscrire à cette litanie? Il ne manque plus que Philippe Martinez dévorant en compagnie de Jean-Luc Mélenchon des bébés vivants autour d'un brasero pour que le tableau de l'outrance soit au complet. Comment peut-on opposer les grévistes et les Français? Le simple fait d'exercer ce droit constitutionnel qu'est la grève entraînerait-il la déchéance de nationalité pour les premiers? Y aurait-il des bons et des mauvais Français selon le docteur Véran? Et dans ce cas, à quoi les reconnaît-on? Et depuis quand le pouvoir exécutif est-il en droit de porter une appréciation sur le pouvoir législatif et sa façon de conduire ses travaux? Montesquieu a pourtant écrit quelques pages définitives sur le sujet. Le porte-parole du gouvernement veut-il nous suggérer qu'il faut dissoudre l'Assemblée nationale parce qu'elle n'accepterait plus d'être la chambre d'enregistrement de l'Élysée? Pas sûr que la prochaine Assemblée, si prochaine il devait y avoir, soit moins turbulente que celle-ci. Par-delà les envolées hallucinées de Véran, ce changement de ton gouvernemental à une explication. L'exécutif a passé l'étape de l'Assemblée sans trop de dégâts. Il se croit tiré d'affaire. Le tumulte lui a paradoxalement évité de se compter et d'exposer ses faiblesses. L'hostilité d'une partie des députés LR et le subit attrait de certains députés du camp présidentiel pour l'aquaponer les jours de vote. L'exécutif roule donc les mécaniques. Qui plus est, sur les bancs du Sénat, il n'y a pas d'insoumis. Et par tradition, on n'y goûte guère les esclandres. Ce qui ne veut pas dire que socialistes, communistes et écologistes ne mèneront pas la bataille. Au contraire. Nous atteindrons, mes collègues y reviendront, l'article 7. Globalement, nous voulons que les 20 articles soient abordés. Le gouvernement a choisi un modèle, un véhicule législatif qui amène à ce qu'il y ait un gong le 12 mars prochain, au soir. Et si le gong tombe, eh bien ce sera de la propre responsabilité du gouvernement. Un peu d'explication sur la stratégie retenue. La gauche sénatoriale veut discuter tous les articles afin de mettre en avant la collusion du gouvernement et de la droite. Cependant, elle entend faire traîner les débats juste ce qu'il faut. D'abord pour n'aborder l'article 7 qu'après la journée de mardi prochain. Ensuite, pour éviter le vote sur l'ensemble du projet de loi. Rappelons-le, le Sénat ne dispose que de 11 jours pour examiner le texte. Dans l'hypothèse où la discussion n'irait pas à son terme, on se retrouverait dans une situation absurde. Après la première lecture par les deux assemblées, une commission mixte paritaire composée de 7 sénateurs et 7 députés a pour mission d'harmoniser le texte amendé par les deux chambres. Mais comment harmoniser un texte qu'aucune des assemblées n'aura voté ? Échec assuré. Le projet de loi repartirait alors pour une seconde lecture devant les deux chambres, l'Assemblée ayant 7 fois le dernier mot. Mais ce scénario a toutes les chances d'être interrompu par le gouvernement.
soit en utilisant l'article 49.3, soit en recourant à des ordonnances. Elisabeth Borne n'entend pas subir un nouveau chemin de croix. La plus importante réforme sociale de ces dernières années se retrouverait alors privée de toute légitimité parlementaire. Le Conseil constitutionnel cautionnera-t-il le procédé ? Un véhicule législatif inapproprié, des débats inachevés, une absence de vote, et tout ça sur fond de grève générale et de manifestation ? Ça risque de coincer, même chez les plus accommodants des sages de la rue Montpensier. À tout cela s'ajoute le risque d'une guerre entre les sénateurs LR et les députés LR. Je vous explique pourquoi. Au Palais du Luxembourg, c'est Bruno Retailleau, le président du groupe LR, qui mène la danse. Le sénateur de Vendée fait monter les enchères. Pour le prix de son soutien et celui de ses amis, il réclame au gouvernement la fin des régimes spéciaux de retraite d'ici 2025. Les régimes spéciaux, ce sont ceux dont bénéficient par exemple les salariés de la RATP, de la Banque de France, de la SNCF. Jusqu'à présent, on appliquait la clause dite du grand-père. Tous les salariés embauchés au statut conservent les avantages de leur régime. Seuls les nouveaux entrants s'alignent sur le régime général. Programmer la disparition des régimes spéciaux dans 2 ans, c'est jeter un bidon d'essence sur un début d'incendie. Embrasement général assuré. Les exigences de la droite sénatoriale ne s'arrêtent pas là. Cette dernière veut que la première ministre revienne sur ses concessions à propos des carrières longues. À l'Assemblée, sous la pression du député LR du Lot, Aurélien Pradier, Elisabeth Borne a promis que les salariés ayant débuté à 17 ans pourraient partir en retraite après 43 annuités. Eh bien, les sénateurs de droite et du centre trouvent que ça coûte trop cher. Le gouvernement est coincé. S'il revient sur ses promesses sur les carrières longues, il s'attire les bonnes grâces du Sénat. Mais il perd l'appui des députés républicains. Et quand le texte reviendra devant l'Assemblée, ce sera le grand détricotage. Écoutez l'avertissement d'Aurélien Pradier mardi sur France Inter. Mais on doit se souvenir que la seule chambre, aujourd'hui parlementaire, qui représente le peuple, c'est l'Assemblée nationale. Et j'attire l'attention de tout le monde sur ce petit jeu qui pourrait s'installer selon lequel une chambre pourrait écraser l'autre. Au fond, que le Sénat pourrait presque se substituer à l'Assemblée nationale. J'ai un immense respect pour les sénateurs. Ils ne représentent pas le peuple. Et dans tous les cas, le débat devra aussi avoir lieu à l'Assemblée. Le diable se niche toujours dans les détails. Le gouvernement est en train de le vérifier. Les semaines qui viennent n'auront vraiment rien d'un long fleuve tranquille. Mardi matin, à l'Assemblée, la NUPES a lavé son linge sale en famille. L'intergroupe a tiré un premier bilan de la séquence sur les retraites. Le débat a été très serein, avec des points qui étaient les points de tension qui ont été énoncés et des points aussi de fierté dans notre action commune. Donc on a fait un bilan partagé là-dessus. Et pour ce qui concerne l'acte 2, la NUPES, je veux tout de suite dire, parce qu'ici on est à l'Assemblée nationale et ce dont on parle c'est l'intergroupe parlementaire. Donc il y a des choses qu'on peut faire au titre de l'intergroupe, mais l'acte 2 de la NUPES, il ne va pas se jouer dans l'intergroupe parlementaire. Donc je peux vous annoncer que ce qui a été décidé ce matin, c'est de rendre plus fréquents nos réunions d'intergroupe avec l'ensemble des députés. Les 150. Pour ce qui est de nos modalités de fonctionnement ou d'éventuellement même une charte de l'intergroupe, pas de toute la NUPES, mais éventuellement une charte de l'intergroupe, toutes ces questions n'ont pas été réglées ce matin dans une heure de réunion, vous imaginez bien, mais elles vont continuer à se discuter. Les mots employés par Jean-Luc Mélenchon ont cependant laissé des traces. En particulier, le fait d'avoir qualifié d'ineptes baratins les arguments qui militaient pour aller jusqu'à l'article 7 du projet de loi, celui qui porte l'âge de départ à 64 ans. Écoutez, je ne partage pas le sentiment de Jean-Luc Mélenchon. Il y avait une vision très différente, une stratégie très différente entre lui, une partie de son groupe et les 3 autres groupes de la NUPES, très clairement. Voilà, on assume, et non seulement on assume, mais on pense pour le coup, objectivement, qu'on avait raison. Voilà, et que ce qui s'est passé, le fait de ne pas discuter l'article 7, sert uniquement la majorité et les Républicains. Et évite de mettre au jour les dissensions de ce camp-là, parce qu'il n'y aurait pas eu un vote unanime, ni sur le banc des Républicains, ni même sur les bancs de la majorité. La NUPES a donc encore du boulot pour trouver son mode de fonctionnement. C'est ce que suggère Sébastien Jumel. Un bilan globalement positif, avec tout ce que ça implique comme point d'irritation. On fera un bilan collectif. Il nous appartient, vous savez, l'un des enjeux, faire vivre la NUP, c'est de considérer qu'elle est riche de ses singularités et qu'elle est riche du respect de ses différentes composantes et qu'elle doit crédibiliser surtout, c'est ça notre responsabilité dans les 4 ans à venir, sa capacité
à réparer le pays en étant en responsabilité. Pour les moins de 60 ans, je mets les sous-titres. En 1979, Georges Marchais, secrétaire général du Parti communiste français, avait déclaré que le bilan de l'Union soviétique et ses satellites était globalement positif. Alors que tout le monde savait dès cette époque que c'était faux et archi-faux. Rendons à César ce qui est à César et à Manuel Bompard ce qui est à Manuel Bompard. Début février, le coordinateur de la France insoumise avait écrit à ses partenaires de la NUPES pour leur proposer une nouvelle étape de la coalition électorale. J'ai donc demandé aux écologistes qui réclament à présent un acte 2 de la NUPES pourquoi ils n'ont pas répondu à l'époque au courrier du bras droit de Jean-Luc Mélenchon. Réponse. Le moment où c'est arrivé, c'était en plein milieu de la réforme des retraites. C'était peut-être pas le bon timing pour faire le bilan de ce qui a fonctionné ou pas. Là, aujourd'hui, nous, il y a eu une semaine de repos parlementaire qui permet à tout le monde aussi de redescendre après ces deux semaines du travail législatif sur le texte des retraites. Je pense que là, on est dans le bon moment, justement, pour pouvoir faire un bilan un peu à froid de ce qui a fonctionné ou pas et de pouvoir justement travailler cet acte 2. Cet acte 2, ça ne veut pas dire qu'on efface tout ce qui a été fait jusqu'à présent, qu'on efface la NUPES. Au contraire, ça veut justement dire qu'on se coordonne mieux et qu'on est plus efficace sur ce qu'on souhaite défendre au sein de l'Assemblée nationale. L'écologiste Julien Bayou, dont on oublie souvent qu'il fut l'un des artisans de la NUPES, voit plus loin. On a des désaccords, bien, c'est normal. Je vous dis, dans un seul groupe, vous avez différentes stratégies. On les surmonte, on les tranche, on décide. Au sein d'une coalition, c'est normal, vous avez des cultures différentes, vous avez des stratégies différentes. Ça n'est pas un drame. L'essentiel, c'est maintenant comment on fait reculer le gouvernement. Ça passe par la mobilisation la plus large le 7 mars. Et puis, qu'est-ce qu'on fait au-delà? C'est-à-dire que s'opposer, oui, évidemment, il faut arrêter de prendre des buts, mais il va falloir maintenant en marquer quelques-uns. Et je pense que la NUPES, de coalition presque défensive, elle peut maintenant se transformer en une plateforme qui porte une candidature commune en 2027. Moi, c'est ça que j'ai envie de creuser, de travailler. Je peux vous donner des noms, ça n'a pas forcément d'intérêt à ce stade, mais par exemple, Clémentine Autain, François Ruffin, Fabien Roussel, Olivier Faure, Yannick Jadot, Delphine Bateau, Cécile Duflot, on peut rassembler plus largement. On ne manque pas de candidature. Voilà. Travaillons un projet, surmontons les bisbilles, la strat, ça n'est vraiment pas le plus intéressant. Il n'est pas certain que la liste des présidentiables retenue par Julien Bayou satisfasse tout le monde. Mais elle a le mérite de briser un tabou, celui de se demander qui à gauche peut l'emporter en 2027 et sur quel programme. Merci d'avoir regardé cette chronique. N'hésitez pas à la partager, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. Un petit pouce, un abonnement à la chaîne, c'est encore mieux. Et vos commentaires sont toujours les bienvenus. Vous savez qu'on prend le temps de les lire, même si nous ne répondons pas à tout le monde. Pure Politique ne vit que grâce à vos dons. Pour nous soutenir financièrement, je vous invite à vous rendre sur notre page DonorBox. Chaque euro est précieux. Il nous permet de fonctionner et de nous développer. Merci de votre confiance et de vos encouragements. Je vous dis à lundi pour un nouveau numéro de Pôle Express.